Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus pour cet hebdo crypto. La psychologie de marché est en train de devenir clairement bullish. Vraiment, en une semaine, il s'est passé des choses exceptionnelles. En termes de performance, c'est complètement fou. J'ai pas eu le temps de mettre à jour, mais mon portefeuille d'IKA, par exemple, il a dépassé la barre symbolique des 20 000 euros. Donc ça, c'est très très positif. Pourtant, on sort de semaines où vraiment il y avait une grosse pression, mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle au niveau de la SEC, qui s'est finalement attaqué un peu à tous les projets, on a l'impression, au stablecoin, à différents projets en proof of stake. Et finalement, le marché est positif et vous allez voir, c'est très important, c'est le news flow, donc c'est le flow de nouvelles, d'annonces qui redevient très très positif. Je pense qu'il va falloir surfer sur cette tendance très positive. Par contre, y aller avec des pincettes. Je vais vous expliquer exactement comment je vois les choses sur 2023, en tous les cas jusqu'à la fin de l'année. C'est très dur de prévoir après 2024. Mais je vais vous dire exactement ce que j'imagine sur les 6 prochains mois, grosso modo. Et surtout, vous expliquer comment je veux profiter des hausses éventuelles qui vont arriver, je l'espère. Mais surtout, prendre des bénéfices, c'est vraiment encore le maître mot cette semaine. Pas forcément prendre des bénéfices tout de suite, même si j'en ai déjà pris, mais vous montrer les seuils, en particulier les 30 et les 40 000 sur le Bitcoin. Si on les atteint, pour moi, il faudra prendre massivement quand même des bénéfices, parce qu'il risque d'y avoir un retournement, c'est ce que je pense, et c'est ce que je vais vous expliquer avant, j'espère, le grand soir, fin 2023, début 2024, et je vais vous expliquer pourquoi aussi, avec quels éléments je vous dis ça. Pour commencer, c'est très très rare que je le fais, mais c'est un moment important pour moi, c'est que mine de rien, voilà, j'ai commencé cette chaîne il y a pratiquement 2 ans, une première année où j'ai pas fait grand chose, voilà, je faisais pas grand chose, mais depuis un an, j'ai vraiment commencé à travailler sérieusement cette chaîne, petit à petit, c'est en train de vraiment super bien se passer, tout simplement, j'ai besoin de vous, c'est très rare que je le fais, mais là, vraiment, je le fais et j'espère que vous allez m'aider. L'idée, c'est un maximum de likes, un maximum d'abonnements, parce qu'on n'est pas loin d'atteindre les 20 000 abonnés, et c'est quand même une information très importante pour moi. La semaine prochaine, je serai en vacances, et donc comme prévu, j'espère qu'on aura les 20 000 abonnés, et qu'on fera comme prévu, je vous l'avais dit, mais l'objectif c'est de faire un live la semaine prochaine, on verra quand, je serai en congé, donc je serai plus tranquille pour organiser ce live. Donc vraiment, j'ai besoin de vous, merci beaucoup en tous les cas pour vos soutiens à chaque fois. Les nouvelles vraiment, c'est à chaque fois on en a eu, et on a l'impression que le marché il pouvait s'effondrer quand on voyait toutes ces nouvelles. C'est la SEC, mais je trouve que la SEC s'est presque ridiculisé parce qu'ils attaquent à tout va et on sent vraiment qu'ils veulent rattraper ce qu'ils auraient dû faire sur FTX, qu'ils n'ont pas fait. Et maintenant, ils tirent à balles réelles sur un peu tous les projets, sur tous les stablecoins, sur pratiquement tous les projets en POS, même Ethereum. Et donc, à un moment donné, je pense que les marchés qui analysent froidement la situation ont fini par ne plus croire vraiment à la SEC et ne le prennent pas au sérieux, tout simplement. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Ce qui est très important, c'est quand on voit la presse traditionnelle. Moi, je lis la presse économique, la presse un peu des entreprises et autres. Et quand même la presse économique, la presse industrielle se met à parler du Bitcoin, c'est très positif. Et la prochaine lame, ça sera quand la presse hyper généraliste se mettra à parler du Bitcoin. Mais là, c'est l'Usine Nouvelle, donc c'est vraiment un journal de référence dans l'industrie qui parle du Bitcoin au plus haut depuis 6 mois. C'est le cas autour des 25 000 $. On ira voir après les seuils graphiques. C'est très, très important comme zone. Il va falloir qu'on explose allègrement les 25 000. Et là, je vous explique concrètement, moi, ma stratégie sur les prochaines semaines, je l'espère. En tout cas, si on explose les 25 000. Encore une fois, là, c'est le Figaro économie. Pareil, le Bitcoin dépasse les 25 000 et monte au plus haut depuis juin. En gros, ces presses-là, elles ne parlent du Bitcoin et des cryptos que quand ça s'effondre ou que quand ça explose. C'est ça qui est assez marquant. Voilà, il rappelle les faits, effectivement, 69 000 en novembre 2021 et que, mine de rien, petit à petit, c'est en train de se rattraper et en train de vraiment bondir. Ça, c'est une information très importante. Je pense que j'en ai déjà pas mal parlé. C'est, vous savez, en France, aux États-Unis, il y a comment ça s'appelle? Il y a Fidelity, qui est un énorme fonds qui gère vraiment énormément les retraites aux États-Unis. Ils sont à la tête d'un trésor incroyable. Les retraites, il n'y a pas de retraite publique là-bas, c'est pas l'État qui finance les retraites, tout est privé. Et donc, vous avez un gâteau de 40 000 milliards qui potentiellement pourrait aller sur le Bitcoin. C'est le rêve de tout investisseur crypto et Bitcoin. Et il y a un sénateur républicain qui propose une loi, justement, ça avait déjà été le cas en 2022, permettant aux fonds de pension d'investir sans crainte dans le Bitcoin. Ça serait vraiment incroyable. Je me souviens plus du nom du fonds, c'est le 400, je sais plus combien, c'est un fonds, voilà, il est là. Le plan d'épargne 401,
Et ce fonds-là, c'est les sénateurs Cynthia Loomis, ce nom me dit quelque chose, Rick Scott et même un, parrainent le projet de loi. Le but est de déverrouiller le chemin de Fidelity qui offre une exposition au Bitcoin via le plan. Ça serait exceptionnel. Si ça se faisait, je vous dis même pas, le Bitcoin, il irait à des seuils complètement fous si ça se faisait. Et c'est aussi une information, c'est bizarre, mais il y a encore une semaine, on parlait pas du tout de ce genre d'actualité, c'est en train de revenir mine de rien. Ensuite, c'est une autre information importante. On parle beaucoup de Twitter qui potentiellement va peut-être faire exploser aussi les cryptos, en particulier le Dogecoin, vous le savez, mais d'autres, peut-être le BNB, peut-être le Bitcoin et l'Ethereum. Mais il y a aussi YouTube qui à un moment donné s'intéresse de plus en plus aux cryptos et potentiellement aux NFT. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que YouTube, ça appartient à Google et Google est déjà pas mal impliqué quand même dans le monde des crypto-monnaies, en particulier sur le stacking d'Ethereum. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Le nouveau CEO est quelqu'un de plutôt NFT friendly, on va dire. Il pense vraiment que les NFT peuvent apporter un plus, en particulier sur YouTube, et donc c'est une très très bonne nouvelle encore une fois. Ensuite, une nouvelle qui a apporté vraiment une bouffée d'air aussi, c'est ce qu'on appelle les ordinals. C'est quelque chose qui permet tout simplement de créer des NFT sur la blockchain Bitcoin. Normalement, les NFT, le lieu où ça se passe, c'est Ethereum. Et là, c'est assez dingue et c'est en train d'exploser. C'est en train de faire exploser tout simplement les revenus aussi des mineurs. C'est positif parce que les revenus des mineurs sont corrélés au cours du Bitcoin en général sur du long terme. Et donc, c'est peut-être ça aussi qui donne une belle impulsion au Bitcoin et à l'ensemble de l'écosystème crypto. Donc une très très belle nouvelle. À l'origine, le Bitcoin n'était pas vraiment prévu pour ça, et donc c'est une très très bonne nouvelle qui vient s'ajouter, vous voyez, au flot de bonnes nouvelles. C'est assez bizarre quand même en quelques jours, comme tout s'est retourné en termes même d'actualité. Une autre information, très souvent quand on est en bear market, regardez, et qu'on repart avec vraiment des belles hausses, comme il y a eu en 2022, mais comme il y a eu à chaque fois dans les bull markets, très souvent on a le Bitcoin qui est en dominance, et quand il y a les altcoins qui commencent à repartir, c'est plutôt très bon signe, ça annonce souvent des belles choses, et là on se rend compte que les altcoins reprennent le lead, et c'est pour ça que vous avez le Bitcoin qui a pris quand même 60% sur les plus bas, ne l'oubliez pas, l'Ethereum c'est pareil, mais surtout vous avez des altcoins qui ont pris 300-400%, ne serait-ce qu'en un mois, là. On ira voir ça, c'est assez incroyable. Et donc, et beaucoup d'opportunités je pense aussi sur les altcoins. Maintenant, ce qui est intéressant, je ne veux pas dire que l'histoire se répète, mais ce qu'il ne faut pas oublier pour moi, c'est mars 2024, c'est l'élément le plus important, c'est le prochain halving qui va nous donner une très très belle impulsion. On est pratiquement à un an maintenant, le compte à rebours, on va le lancer à chaque fois, on est à un an du prochain halving, c'est quelque chose d'unique. À titre personnel, j'ai commencé à investir en août 2019, et donc j'avais vécu le précédent halving, et pratiquement ça va faire cet été, ça fera un an que je suis dans le... Un an, ça fera 4 ans, j'aurais fait un cycle complet de Bitcoin. Mais surtout, j'attends avec beaucoup d'impatience ce prochain halving qui avait donné la plus grande fête qu'il y a eu récemment sur le Bitcoin. À titre de comparaison, ce qu'il faut pas oublier, c'est que le dernier cycle, on a eu un bear market qui a duré un an, il y a eu un pic de hausse, mais ensuite ça a rebaissé avec le crash Covid, et ensuite vraiment c'est parti en bull market. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dirait que à l'issue, là on a eu un an de baisse, il y a eu d'abord une hausse, une rebaisse, et enfin une super hausse. Ce que je pense, un peu quelque chose de similaire, c'est que on est ici, on est en train de se reprendre. Potentiellement, on pourra aller voir visiter les 30, voire je pense même les 40 000 dollars, avant de peut-être chuter pour enfin repartir juste avant le prochain halving. Voilà ce que je vois dans les 6 prochains mois, grosso modo, en faisant une superposition du précédent cycle. Et vous allez voir graphiquement, je trouve que ça se goupille pas mal avec ce qu'on voit, avec, comme je vous le disais, les 25 000, on ira voir tout de suite si on les explose. Honnêtement, on peut aller taper les 30 000 en quelques jours, et peut-être même les 40 000. Par contre, aux 40 000, je vendrai massivement, je pense, parce que si le Bitcoin va aux 40 000, je vous dis pas les altcoins ce que ça va faire, ça peut être vraiment monstrueux. Donc si on regarde le marché sur une semaine, on a des très très belles hausses, vraiment des très très belles hausses, des dossiers sur lesquels j'en ai parlé il y a vraiment pas longtemps, des claims, des flows. Voilà, Flow vraiment très récemment, des Filecoin aussi, des FTM, Link qui commence à se réveiller, je vous en avais parlé, Matic. Si vous regardez sur un mois, ça devient complètement dingue. Bon, après, c'est beaucoup des shitcoins, des memecoins, mais voilà, DYDX 128, 336, 236, 400%. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez hallucinant ce qu'on est en train de vivre. Je pense que la fête n'est pas finie, je l'espère en tout cas, et on va aller voir justement les seuils très importants. Sur le Bitcoin, ce qui est très important de noter, c'est ici le seuil des 25 000. Il est vraiment crucial ce niveau-là. Vraiment, tous les matins, j'espère qu'on l'explose. C'est la première chose que je regarde honnêtement. C'est quand est-ce que on va
explosé ici. Regardez comme ça, une énorme résistance sur les 25 000 ici. On l'a travaillé plusieurs fois. Il y a eu une mèche ici aux 25 000. Ça a donné un premier. Voilà, ça, ce point-là est important. Ici, en hebdo, on est allé tester plusieurs fois. On s'est fait rejeter à chaque fois. Ici, on est en train de le travailler en hebdo. On verra la clôture fin dimanche soir. Mais j'espère que la clôture hebdo, ou au moins la semaine prochaine, on l'explose. Parce que ce qui est incroyable, c'est qu'on est en train d'avoir la résistance des 25 000, la moyenne, on a en hebdo, la moyenne mobile 50 semaines, la moyenne mobile 200 semaines. Ça veut dire que si on explose ça pourrait devenir assez dingue. Parce que comme je vous le dis, on va aller voir ça plus en détail. On irait pour moi sans aucun doute éclater les 30 000 dollars très très vite. Et 30 000, c'est une zone où il y a eu du travail, mais pas autant qu'on croit. Où il y a beaucoup de travail, c'est autour des 40 000. Et là, par contre, faut être honnête, si on prend quelques secondes, c'est que cette zone-là des 40 000, il y a eu énormément de liquidités, énormément d'échanges. Et donc, je pense que cette zone des 40 000 peut être une zone de retournement à court terme. Parce que ce que je vous dis, moi, c'est que je pense qu'on serait dans une config comme ça. On va aller taper les 40 000. C'est mon scénario rêvé. Là, je vendrai massivement. On retombe et ensuite on attaque un énorme bull market, plutôt fin 2023, début 2024, courant 2024, grosso modo. C'est vraiment le scénario de rêve, mais après ça se confirme avec ce qu'on voit ici. Pour moi, les 30 000, on va les exploser. Si on explose les 25 000, on ira facilement exploser les 30 000. Par contre, cette zone autour des 40 000, elle sera difficile à passer. Je pense qu'il y a énormément de résistance et il faudra un peu de temps pour la passer, malheureusement, je le pense vraiment. Voilà ce que je pense en termes de stratégie, pas besoin de trop en faire non plus. Si on regarde maintenant, hop, en quotidien, on voit que cette zone-là, à 25 000, c'est énorme, qu'on irait taper les 30 000 facilement. Et après, bien évidemment, ma cible, j'espère avant l'été, comme ça permettra de tout simplement de payer les vacances et de se faire des belles vacances tous un peu, on le mérite, autour des 40 000. Imaginez si le Bitcoin va taper 40 000, sur les niveaux actuels, c'est pratiquement 70% de hausse. Imaginez les altcoins, on va faire des très très belles choses. Je vous ai fait un dossier aujourd'hui sur 10 cryptos qui peuvent exploser. Si on explose les 25 000, voilà, ça peut être quelque chose de complètement monstrueux. Je pense que mon portefeuille 10K qui vaut plus de 20K aujourd'hui, il pourrait se retrouver à 60K par exemple. Donc voilà ce que je pense tout simplement. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va passer en revue les différentes valeurs que je suis. Une majorité, je les ai en portefeuille, pas toutes. Ethereum, on est toujours sur cette grosse résistance ici. Je vais passer rapidement. On en a beaucoup parlé cette semaine, donc on va passer rapidement. Ensuite, Polkadot, ça fait très très plaisir. Vous savez, je fais partie un peu de la fanbase de Gavin Wood, le chef de Polkadot. Enfin, il se passe des choses sur Polkadot. Je pense qu'il ne s'est absolument rien passé. C'est un dossier, j'ai une grosse position sur d'autres portefeuilles. J'en ai bien évidemment dans mon portefeuille d'Ika. Mais c'est une assez grosse position et tout simplement, je pense que le jour où ça va exploser, ça ira à 50, tout simplement dans ces eaux-là pour Polkadot. Ensuite, il y a Cosmos. Cosmos, ça s'est passé mieux que Polkadot, je trouve, ces derniers temps. Mais c'est un peu en train de saturer. Mais Cosmos, pareil, dans les layers 0, c'est un must-have en portefeuille. C'est vraiment un très très beau projet. Polygonmatic, c'est toujours la fête. Polygonmatic, ce qu'on peut faire, c'est un petit hop, aller voir un peu ce qui se passe. En weekly, je vous l'ai dit, pour moi c'est très risqué ce token-là. Ne vous inquiétez pas, j'ai des très très grosses positions dans plein de portefeuilles. J'en ai un peu vendu, quoi, je les ai pas vendus, je les ai transférés en Polygon, en Chainlink. Là, regardez, on est largement au-dessus des 70 RSI, 70 en weekly. Warning. Warning tout simplement, voilà ce que je pense, vous le savez. Même si j'en ai encore beaucoup. Et je pense que c'est comme ça qu'on gagne l'argent dans le monde des cryptos, dans n'importe quel support. Ça vient de 40 centimes, voilà, ça valait 40 centimes, c'est monté à 1,40. Ça va prendre des bénéfices ici, je dis une partie hein, des bénéfices, et par palier. Après, si ça attaque les deux, on en reparlera, mais je vendrai encore. À 2,80 quand ce sera sur les zones des ATH, je vendrai encore. Et comme ça, si ça refait un nouvel ATH, je serai encore embarqué, mais j'aurai déjà pris pas mal de bénéfices, tout simplement. Je pense que c'est comme ça qu'on gagne sa vie. Faut pas être utopiste, parce qu'on n'est pas en bull market. À chaque fois, je vous dis dans mon portefeuille d'Ika, l'objectif, c'est de faire des x3 à x5, mais x3 à x5, je les laisserai vraiment tourner quand on sera en bull market. Là, on n'est pas en bull market, faut être très très précis, on est dans cette zone de transition entre le bear market et le bull market. Quand on sera vraiment en bull market, par exemple, si le Bitcoin explose vers les 40-50 000, là, je laisserai tourner les altcoins et je ne vendrai pas d'ailleurs. Mais là, on n'y est pas encore, c'est pour ça que je prends des bénéfices. Certains des fois me disent, je comprends pas pourquoi tu vends, je vends parce qu'on n'est pas en bull market encore, faut être très très précis. Chainlink, incroyable, stabilisé autour des 7 dollars depuis longtemps, et là c'est en train d'exploser, je vous en ai parlé très récemment, je vais pas trop en faire, mais voilà, je pense que pour l'instant j'ai bien fait.
Sur les dernières 48 heures, ça fait mieux que Polygon-Matic, tout simplement. Et je pense que ça va surperformer Polygon-Matic, c'est mon avis. Suite GRT, ça se passe super bien. Pareil, j'avais pris des bénéfices tout là-haut. C'est en train de stabiliser. Moi, je pensais dans une belle config, ça peut repartir à la hausse. Et vous le savez, je revendrai une partie pareille autour des 30 centimes. Stacks, super. Enfin, ça explose. Ça fait longtemps que j'en parle. KDA, ça n'a absolument rien fait. J'en ai parlé ce midi, hier. Sur les 10 valeurs vraiment qui peuvent exploser, ça n'a absolument rien fait. C'est une config que j'adore sous les moyennes mobiles de 100. CKB, bah c'est la grosse claque de 2022. C'est en train de pas mal exploser, mais ça n'a absolument rien fait encore. Il fait partie des dossiers, je pense, qui peut faire x100 dans le prochain bull market. Tilly's, rien à dire en ce moment. Vraiment, ça végète. Binance, c'est quand même la force tranquille malgré tout ce qui se passe avec BUSD. Ça résiste. Ça aurait pu s'effondrer. Comme quoi. Decreed, c'est un projet que j'aime énormément, j'en ai parlé hier. Ça fait partie des dossiers qui n'ont absolument rien fait, qui vont à un moment donné, voilà, il y aura une rotation sectorielle, ils en bénéficieront. Klein, ça fait très très plaisir parce que je vous en ai beaucoup parlé et je pense que je dois être l'un des seuls youtubeurs français, francophones en tout cas, qui vous en parle depuis longtemps. J'en ai parlé, je vous ai expliqué que c'était lié à Kakao Talk. C'est un projet monstrueux et vous verrez, il y en a beaucoup qui vont en parler bientôt quand ça vaudra 50, 60, voire 1 dollar. Au moins, moi, je suis content, je vous en ai parlé pendant toute cette phase où c'était une grosse phase d'accumulation et je pense que ce n'est rien du tout là ce qu'on voit, vous allez voir. Vraiment, j'adore ce projet-là et je pense que, voilà, je vous en ai beaucoup parlé et ça fait plaisir quand finalement on prend des risques, on va parler de projets au lieu de surfer sur des banalités de projets dont tout le monde parle. Allez, essayer d'aller sortir des projets comme ça fait super plaisir. Voilà, c'est en train de me donner raison et ça fait super plaisir. VeChain, ça fait longtemps que ça végète, mais là enfin ça explose. Petit à petit, hein, ça n'a rien fait du tout, mais ça explose les moyennes mobiles en tout cas. Quand je vais attendre, mais dès que ça arrivera autour des 220, je vendrai un peu. DYDX, ça avait explosé, ça rebondit, boum. Là finalement, vous avez vu, c'était une grosse résistance. Et ben là, c'est en train de se dé de définir un énorme support. Je pense que ça peut exploser, faire un plus haut là, autour des 4. On en reparlera plutôt autour des 5, et là je commencerai peut-être à vendre. XRP, pas grand chose à dire, on attend vraiment le procès de la SEC. Cello, projet que j'adore, qui est en train de tout doucement sortir. Avax, ça commence à sortir aussi. Jamy, projet que j'adore. Je pense pareil, j'en ai énormément parlé de ce projet-là. Mine de rien, sur les plus bas, ça fait presque un fois 3, fois 4. Mais je pense qu'il y a encore du mou de folie sur ce projet. Algorand, structure missile sol-air, hein, j'en ai parlé hier. Dans les 10 valeurs qui voilà, je pense que ça peut vraiment exploser. Ça n'a rien fait encore. Theta Token, j'en ai pas parlé depuis longtemps, mais c'est un projet que j'adore aussi, qui est en train de tranquillement regarder sur sa moyenne mobile de 100, explosion, rebond, boom, je pense que ça peut exploser très prochainement aussi. FTM, pareil, comme on a vu sur DYDX, là il y avait une grosse résistance, ça l'a explosé, c'est incroyable comme c'est précis, ça vient rebondir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ancienne résistance est en train de se transformer en un support et c'est prêt à exploser allègrement. ADA, je trouve que c'est pas mal. Ça oscille autour de la moyenne mobile 200, mais pas grand-chose à dire. CQT Covalent, c'est vraiment dans la roue de Polygon-Matic. Peut-être qu'il y a des opportunités, parce que ça se passait super bien. Ça a énormément replié. On verra, on en reparlera. Peut-être qu'à un moment donné, je renforcerai ce genre de projet. C'est un projet que j'aime bien, ça. Concurrent de The Graph, pardon. LRC Loopring, voilà, ça sort vraiment sur Polygon-Matic. Voilà, exceptionnel la hausse. À un moment donné, je prendrai des bénéfices aussi, c'est exceptionnel. Filecoin, bon bah, je crois que vous en avez parlé il y a pas longtemps. Je pense qu'il y a une marge énorme de progression. Ça a un peu explosé, mais pas grand-chose encore. Mais au moins, ça a tout explosé, la moyenne mobile 200 et tout ça. Bande protocole, c'est pas mal, mais pas grand-chose à dire. Quantum, c'est en train de sortir, mais c'est un peu mou quand même. Flux, pareil, regardez, moyenne mobile 200, explosion, ça vient rebondir. Je dirais que ça, c'est prêt à partir. IOTA, j'en ai parlé hier sur les 10 valeurs. Voilà, ça a absolument rien fait. C'est en train de tergiverser autour de la moyenne mobile 200. Harmony, j'en parle pas beaucoup, mais mine de rien, ça se passe très bien aussi. Hedera, magnifique. Je pense qu'à un moment donné, il y aura de la prise de bénéfice, ça peut replier. BAT, j'ai fait une vidéo très récemment, je pense que ça peut exploser. C'est en train d'exploser la moyenne mobile 200. Tailcoin, concurrent de Celo, pareil, je pense que ça peut, voilà, regardez comme c'est propre. Boum, ça vient rebondir, rebondir, rebondir. C'est en train de définir une structure sympathique. Rose, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps, c'est en train de faire une très belle progression. Et on attend tout simplement sur des dossiers comme Rose, le Golden Cross moyenne mobile 50 qui croise la moyenne mobile 200.
Horizon, j'en ai parlé très récemment, ça a explosé la moyenne mobile de 100, je pense que ça va venir s'appuyer dessus et après repartir. Comme en tout cas, c'est ce que j'avais prévu. Casper, c'est un dossier que j'aime bien regarder, ça vient vraiment bien rebondir sur cette zone, ça peut aller exploser aussi. NieR Protocol, ça n'a absolument rien fait, tout le monde s'en fout en ce moment de ce projet-là. Moi, j'en ai parlé hier dans ma vidéo sur les 10 projets qui peuvent exploser, parce que la config, elle me plaît bien en tout cas. AAVE, on est dans la DeFi. AAVE, j'attends encore un peu, j'en ai pas, mine de rien. Et c'est l'un des plus beaux projets de DeFi. Maintenant, j'attends vraiment une confirmation du bull market et j'en parlerai de plus en plus de la DeFi parce que c'est un secteur énorme. Il y a aussi Yacht Finance, il y a Uniswap, il y a plein de projets vraiment intéressants. C'est des projets en général qui surperforment quand on est en plein bull market. Pour l'instant, vu qu'on est dans cette phase de transition, j'attends encore un peu. Litecoin, je la suis de très loin. J'espère que c'est eux qui nous donnent... la tendance, ils sont en avance de phase comme en 2019. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le halving a lieu fin 2023. Donc, 5-6 mois avant le halving sur le Bitcoin. Et donc, c'est comme s'ils donnaient la tendance au Bitcoin et je l'espère au marché financier. Moonbeam, j'en ai parlé hier. Ça n'a absolument rien fait. Ça a morflé. Ça a perdu des 95%. Je pense qu'il y a un potentiel de fou. Immutable X, pareil, ça fait partie des projets. Je suis l'un des seuls francophones à en avoir parlé. C'est une layer 2 d'ailleurs. Sur Ethereum, c'est pour ça que ça surfe sur Polygon et tout ça, sauf qu'ils sont spécialisés en plus, c'est Layer 2, donc ça surfe sur la mode Polygonmatic, Loopring et tout ça, mais en plus ça surfe sur NFT Metaverse parce qu'ils sont spécialisés dans ça. Ensuite on va parler de Metaverse avec Decentraland, c'est pas mal, mais je préfère Sandbox, voilà, je trouve que c'est une très très belle config. Axie Infinity, c'est pas mal, mais un peu comme The Sandbox. Gala, j'en ai parlé, mais ça a déjà bien explosé. C'est en train de digérer. Peut-être que ça va repartir. ILV, vous savez, c'est mon jeu dans le gaming. C'est mon jeu préféré. Ça a super bien exploré. Ça vient digérer. Et je pense que c'est que le début. Ça valait 2000$, ne l'oubliez pas. Et ensuite, Flow. Flow, c'est un projet que j'adore aussi dans les NFT. J'en ai parlé très récemment, donc je vais pas trop insister. Appcoin, pareil. À un moment donné, ça explosera. Zilliqa, c'est un projet que j'aime bien dans le métaverse, l'un de mes projets préférés. C'est en train de tranquillement aller chercher un peu plus haut. Enfin, Gitcoin, on est aussi dans le gaming. Pas grand chose à dire. UOS, j'en ai parlé hier. Pour moi, c'est une très très belle config là. Shiba, je la suis. Ça a énormément explosé ici. J'en ai pas bénéficié, donc j'attendrai. Mais à un moment donné, c'est pas impossible que je laisse traîner un billet sur ce genre de token. En particulier quand on sera en bull market, je pense que ça peut se tenter. ICP, c'est un dossier que je regarde de loin, que j'aime pas trop, mais force est de reconnaître que ça se passe très très bien. Morpheus Network, c'est le principal concurrent de VET. Et j'ai un peu peur, moi, sur ce token, c'est que c'est en train de nous faire un méchant M. Un peu comme on l'avait vu sur Aptos. Et en général, voilà la suite pour Morpheus Network. Je n'en sais rien, mais en tous les cas, je vois ça, je la suis. À un moment donné, j'en prendrai, mais là, je vais surtout pas acheter ce token-là. Ergo, c'est un dossier que j'aime bien, mais j'ai pas grand-chose à dire. Ergo, c'est vraiment très très propre, regardez, explosion de la moyenne mobile de 100, ça rebondit, on dirait que ça va péter. Tron, c'est une valeur de fonds de portefeuille que j'ai sur sur un autre portefeuille. ETHW, j'espère vraiment qu'à un moment donné, on va exploser les 10, c'est les seuils que j'attends pour vendre. Je serai patient, je suis très patient, pour l'instant ça fait pas grand chose. Ensuite, encore, c'est un projet que je suis, mais j'ai pas grand chose à dire. Solana, j'en ai parlé dans les 10 valeurs qui peuvent exploser. C'est un projet que j'aime pas trop, mais force est de reconnaître qu'au niveau graphique, c'est typiquement la config que j'aime bien. Dodge, je vous le savez, j'en ai un peu en portefeuille, mais ça fait pas grand chose, hein. Quand on regarde tous les Floki et tout ça, c'est un peu décevant. On espère qu'Elon Musk va nous faire plaisir, là. Terra Classic, j'aime beaucoup ce triangle, j'ai fait une vidéo dédiée. On verra. J'hésite encore, mais en fait, ce que j'attends sur Terra Classic, c'est que ça nous fasse un petit repli ici. Et là, je vous le dis, j'en prendrai direct. Parce que là, on arrive au bout. Je pense qu'avant la fin du mois, je l'espère. Voilà mon scénario rêvé sur Terra Classic. Token sur lequel j'avais investi ici, c'était exceptionnel, je vous avais dit. Vous pouvez vérifier. Ici, ça faisait un espèce de bull flag. Boom. Ici, j'ai investi et j'ai vécu ça. Vous en souvenez, ceux qui étaient là à l'époque. On s'est un peu gavé sur ce token. Et donc, on y revient. Voilà, tout simplement. Enfin, Veracity, c'est un token qui se comporte super bien. Je suis un peu dégoûté, j'en avais, je les ai vendus parce que j'ai eu des doutes, mais force est de reconnaître que ça se passe bien. On verra sur repli, si ça vient se replier sur sa moyenne mobile 200 ici, autour des 0,5, ça peut, on en reparlera, mais là, j'achète surtout pas ça. HNT, j'en ai parlé hier, donc c'est le minage, j'en achète pas, mais je la suis. Aptos, ouais, je sais pas trop quoi en penser.
Et enfin, Ocean Protocol, c'est un dossier que j'adore. Dans l'IA, c'est ma seule crypto que j'ai dans l'IA. Et j'aime beaucoup ce projet-là, tout simplement. Et ensuite, ça, c'est un petit truc, j'ai mis un tout petit billet, ça se passe pas super bien, mais on va suivre ça. Le Gift, il a été listé sur pas mal de plateformes, dans Binance en particulier. Et après, juste au niveau de l'euro-dollar, pour finir, ça se passait super bien. Là, c'est en train de batailler avec la moyenne mobile 50. Ce qui est important, c'est la moyenne mobile 200. Ici, là, elle est encore très très loin. Ça peut venir s'appuyer sur la 200, comme on l'a vu sur d'autres cryptos. J'espère que ça repartira à la hausse. Ça sera positif pour les marchés boursiers et les marchés crypto-monnaies. Donc voilà, ce sera tout pour cet hebdo crypto. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à un maximum de likes, un maximum de soutien. Ça m'aidera à passer la cape mythique des 20 000 dollars. Je vous dis à très bientôt. Bon dimanche et passez une bonne semaine. On se voit demain matin au Morning Crypto. Ciao a tutti.